Aujourd'hui, les pouvoirs conquis par la connaissance sont plus étendus que la connaissance elle-même. Bien poser les questions, c'est tout un art où tout dépend, bien sûr, de la réponse que l'on veut obtenir. Ce n'est pas la toute-puissance de Dieu qui nous menace, mais sa douceur. Ce que les mécaniciens de l'esprit n'ont pas compris, c'est que lorsque Dieu se manifeste, il n'a nullement besoin d'essence. Il entre en communication directe avec cette aptitude au divin qu'est l'âme. Certaines questions ne sont difficiles que parce qu'on les pose. Certains esprits avancés le sont tellement qu'ils sont tombés dans le vide depuis longtemps. Certains se préoccupent moins de ce qu'ils mettent dans leur discours que de savoir dans quelles oreilles il va tomber. Chaque fois que les circonstances mettent en demeure l'homme politique de choisir entre le parti et la vérité, il est constant qu'il choisit le parti. Dans le vaste laboratoire de la génétique, l'être humain a perdu sa définition. Dans les guerres, ce ne sont peut-être pas les enfants que l'on vise, mais c'est eux que l'on tue. De toutes les choses qui remuent le monde et qui agitent le cœur des hommes, l'amour est la seule qui se passe d'explication et n'en veuille pas. De toutes les manières d'être en retard, la pire est celle qui consiste à se croire en avance. Dieu parle à tout le monde, mais la plupart d'entre nous ne lui laissent pas placer un mot. En chacune d'elles brille un fragment d'éternité, toute larme a sa source dans un autre monde. En France, il est indispensable de mourir si l'on tient à se faire rendre justice. En France, les gouvernements ne peuvent pas s'empêcher d'empêcher les choses de s'arranger toutes seules. En politique, le meilleur moyen de résoudre un problème est de nier l'énoncé. Grâce à la télévision, on finit toujours par apprendre des vérités, mais il faut être patient et quelque peu noctambule. Heureux ceux qui pleurent, car il n'est pas de larmes impures. Il a été décidé qu'on reparlerait, dès les petites classes, d'éducation civique, d'honnêteté, de courage, de refus du racisme et d'amour de la République. Il est dommage que l'école ne soit fréquentée que par les enfants. Il arrive que l'histoire repasse les plats, mais ce sont rarement les meilleurs. Il est du devoir des hommes politiques de parler. Quand ils ne parlent pas, on s'imagine qu'ils pensent. Il est plus facile d'élever une protestation que d'élever ses sentiments. Il n'est pas toujours nécessaire de penser pour être libre penseur. Il semble que la foi du charbonnier soit un peu moins vive depuis la découverte du pétrole. Il y a des cas où tout l'art de la diplomatie consiste à maintenir les problèmes intacts le plus longtemps possible. Il y a tout lieu de s'inquiéter quand la police est sur les dents. La position ne permet pas d'attraper grand-chose. Inviter les gens à se parler plutôt qu'à se battre est une idée trop simple qui ne vient en général aux combattants que lorsqu'ils n'ont plus de munitions. La France est un livre ouvert,
probablement le seul pays où les journaux publient la photographie du nouveau chef du contre-espionnage, avec toutes les précisions désirables. La maladie la plus répandue chez les hommes politiques est l'amnésie. La morale internationale a fait quelques progrès dans le monde, mais elle n'a pas partout les mêmes exigences. La morale n'est pas plus le cœur du message de l'Évangile, que la technique n'est l'âme de la peinture. La nation est une famille, le nationalisme une abstraction. La raison déraisonne sans la foi, telle est la leçon la plus claire du siècle. Laissez votre adversaire livrer le fond de sa pensée. En général, il vaut largement le dessus. L'âme est cachée en Dieu, qui est seul à connaître son nom, et qui n'a nul besoin du corps pour se faire reconnaître d'elle. Le christianisme est la langue maternelle des Européens. Le discours politique vole bas, mais il n'atterrit jamais. Le langage sert généralement à parler et à penser. En politique, il sert à se taire. Le matérialisme libéral affiche son attachement aux droits de l'homme, mais les droits l'intéressent plus que l'homme. Le mécontentement ne vient pas avec l'échec, qui incite à la patience, mais avec le succès qui rend exigeant. Le métier de ministre est devenu à peu près impossible, mais cela ne semble pas décourager les vocations. Le péché originel n'est pas une donnée scientifiquement observable. Excepté, bien entendu, si l'on consulte un miroir. Le problème du chrétien devant la vérité n'est pas de la découvrir, mais de lui ressembler. Le spirituel est le dernier de nos soucis, avant de devenir le premier de nos regrets. L'égalité des sexes est acquise en droit. Certains hommes s'étonnent encore que les femmes exercent les mêmes fonctions qu'eux, mais je suppose que c'est par modestie. L'égoïsme est en fin de compte le pire ennemi du bonheur humain. L'erreur de l'homme d'aujourd'hui est de vivre comme si Dieu n'existait pas. Les assemblées politiques sont le dernier endroit au monde où il n'est pas éliminatoire d'appartenir au troisième et même au quatrième âge. Les cimetières sont les vestiaires de la résurrection. Les enfants se font rares dans les pays où ils auraient une chance d'être heureux et viennent en rang serré dans ceux où ils meurent de faim. Les esprits sont en général moins affamés que les estomacs et ils supportent beaucoup plus gaillardement la pénurie. Les idées volent parfois si haut, dans nos campagnes électorales, qu'il est impossible de les apercevoir à l'œil nu. Les mystères sont des objets de contemplation, non des énigmes à élucider. Les nouvelles vont parfois si vite qu'elles n'arrivent même plus à se rattraper pour se démentir. Les pensées de Dieu sont des faits oubliés. Les procès finissent toujours par celui de la justice. L'expérience prouve qu'il est beaucoup plus facile de prendre des otages que de les relâcher.
L'homme est un être essentiellement paradoxal. C'est quand il ressent le plus cruellement sa fragilité qu'il est grand. L'immense supériorité de la religion sur toute autre forme de pensée tient à son sens aigu du mystère des choses. L'inconvénient des grandes idées, c'est qu'il y a presque toujours quelqu'un qui les a eues avant vous. Méfions-nous des entraînements de la sensibilité. On commence par plaindre les assassins, et par un enchaînement fatal, on finit par s'apitoyer sur les victimes. Nous avons besoin de croire. Par exemple, de croire que nous n'avons pas aimé en vain. On parle toujours de fanatisme aveugle, comme s'il y avait de fanatisme clairvoyant. On peut se demander aujourd'hui si Marx ne s'est pas trompé, et si ce n'est pas plutôt l'opium qui est devenu la religion du peuple. On se demande souvent comment les hommes ne parviendront jamais à s'entendre, s'ils refusent toujours de s'écouter. On va chercher dans les sectes un peu de cette chaleur que produisent les inquiétudes et les désarrois partagés dans un monde gagné par le froid de l'indifférence. Passerait-on un millier de siècles en présence de Dieu, qu'on ne le verrait jamais que pour la première fois? Si un homme couche avec un autre homme, leur sang retombera sur eux. Physiquement, l'homme est un mystère, spirituellement, c'est un abîme. Plus on avance dans l'exploration de l'homme, moins on lui trouve de raisons d'exister. Pour l'athée, l'hypothèse de l'existence de Dieu n'est pas à retenir, celle de l'existence du diable reste à considérer. En tout cas, des deux hypothèses, la deuxième lui paraîtra la moins déraisonnable. Pour le chrétien, la vérité est un être vivant, le plus vivant de tous ceux qui furent ou seront jamais. Elle porte un nom, celui du Christ. Prier, c'est exaucer Dieu. Si le christianisme avait été une nouvelle école de pensée, cette école serait fermée depuis longtemps.